Bonjour à tous sur de la FTI et je reviens pour une nouvelle vidéo sur alors plusieurs questions au niveau des Vanduul. Alors la première c'est pourquoi on met des vaisseaux Vanduul aujourd'hui comme de la marque Hesperia qui ont été donc revus et corrigés bah, version humaine comme le Blade, le Glaive ou le Prowler qui n'est pas encore dans le jeu et alors que Squadron 42 est quand même censé nous faire découvrir les Vanduul. Alors déjà, au niveau des Vanduul, il existe une énorme quantité de vaisseaux qui vont être à découvrir. Comme bah, on a pu voir un teaser du Driller. On en a d'autres comme les bombardiers de torpilles comme The Void ou d'autres véhicules Vanduul qui sont les Harvesters, des vaisseaux de minage qui seront au sol. Et il y en a encore beaucoup d'autres à découvrir, qui sont généralement des très gros vaisseaux et pour certains beaucoup porteurs de vaisseaux. Parce qu'en fait, les Vanduul sont, je rappelle, un peuple nomade, donc ils se déplacent en énorme quantité. C'est pour ça qu'on appelle des raids Vanduul quand on les voit apparaître. Ils se déplacent un peu en famille. Alors, rappelons-nous, avant la 3.0, on avait ce qu'on appelle Tessa Bannister, qui était une personne qui travaillait dans un énorme satellite qui servait en fait à reconnaître tous les problèmes qu'il pouvait y avoir sur le système à l'époque Stanton où on se trouvait, et qui nous envoyait sur des missions Vanduul à la fin. Donc on devait s'attaquer à des Vanduul qui avaient pénétré la zone. Et donc Tessa Bannister nous demande d'aller voir ce qui se passe. C'est là qu'on découvre des vaisseaux, je crois que c'était des glaives, des sites, qui nous attaquaient au niveau d'un astéroïde. Donc en fait, on nous préparait déjà au fait que nous allions avoir une menace qui arrive et qui est Vanduul. Mais par contre, le fait que on nous montre, on nous fasse acheter des vaisseaux avant Squadron 42 comme ces petits chasseurs, c'est parce qu'en fait, l'univers persistant dans lequel on joue est censé se passer après Squadron 42. Ce qui signifie qu'en fait, certains vaisseaux ont pu être capturés au moment de cette guerre et récupérés et remis à l'ordre du jour par Hesperia pour que les pilotes humains puissent les piloter. Et donc, c'est donc cette raison-là qui fait qu'aujourd'hui, on peut avoir des vaisseaux Vanduul dans l'univers persistant, puisque on est censé être après cette guerre. Peut-être, pour cette raison-là, pouvons-nous attendre justement avec l'arrivée Squadron 42, on espère en 2020, en tout cas on l'a annoncé, que certains vaisseaux autres Vanduul pourraient apparaître dans des vaisseaux concept qui devraient arriver dans le cours d'année, donc peut-être que c'est aussi une possibilité. Vanduul, c'est quand même un peu le bébé de Squadron 42, donc je pense qu'on va en découvrir beaucoup au moment de cette mission solo. Alors évidemment, quand l'univers étendu commencera à s'agrandir, on aura d'autres systèmes à les visiter. Et plus on ira dans l'ouest du système galactique, plus on a des chances de rencontrer des raids Vanduul. Ils seront bien indiqués sur la Star Map, donc je vous invite à aller voir celle-ci afin de savoir où vous mettez les pieds. Alors n'oublions pas, comme je l'avais signalé dans la vidéo précédente, que les systèmes sont relativement pauvres en ville, puisque peu de planètes habitables, contrairement à Stanton qui elle en a beaucoup. C'est l'un des rares systèmes où il y a énormément de planètes habitables. Les autres systèmes, Nyx, Pyro, Magnus, ou peut-être même Odin, sont des planètes qui ont sûrement un système qui va être beaucoup plus rapide à faire et dont il y aura plus de choses peut-être à découvrir, mais en petite zone, donc plus facile à faire. Et non un Arcorp ou un Hurston qu'on a eu et qui leur prend énormément de temps. C'est tout pour cette petite vidéo et je vous dis à bientôt. Ciao tout le monde.